Shalom, élu de Dieu, c'est l'ancien Pascal Lalou de l'église Mission pour Christ à Baltimore. Ce jour, je voudrais t'inviter à une louange ou adoration spéciale envers ton Dieu. Amen. La Bible dit dans le livre de Psaume 95, du verset 1 au verset 3. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au devant de lui avec des louanges, faisons retentir en son honneur des cantiques. Amen. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Amen. Alors, je voudrais que là où tu es, dans ta maison, tourne le regard vers ton frère, ta soeur, ou ton épouse, ou ton époux, et apprécie ce que Dieu t'a donné. Va un peu vers la fenêtre, ouvre la fenêtre et regarde un peu au dehors. Respire l'air frais et apprécie ce que Dieu t'a donné. Je voudrais en ce jour que tu trouves une raison spéciale pour dire merci à ton Seigneur et à ton Dieu. Amen. Alors, je veux partager avec toi ce cantique que Dieu m'a inspiré. Dans ma détresse, je languissais, mon âme troublée au-dedans de moi. J'ai crié vers toi, ô Dieu Yahweh, des profondeurs, tu m'as écouté. Des profondeurs, j'ai crié vers toi. Ta main puissante m'a secouru. Pour ma part, que pourrais-je te dire? Merci Seigneur, merci Yahweh. Yahweh est tendresse, bonté. Sa miséricorde durera toujours. Heureux celui dont Dieu est Yahweh. Il est un appui, une forteresse. Des profondeurs, j'ai crié vers toi. Ta main puissante m'a secouru. Pour ma part, que pourrais-je te dire? Merci Seigneur, merci Yahweh. Merci Seigneur, merci Yahweh. Merci Seigneur, merci Yahweh. Que Dieu te bénisse.